Ouais, salut tout le monde, comment allez-vous? Ben ça va nickel, alors aujourd'hui on se trouve dans une courte vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment débloquer les deux coffres bonus dans la mission exotique, donc l'opération bouclier de Séraphin. Et on enchaîne tout de suite avec le premier coffre. Alors comment ça va se passer? Alors c'est très très simple, mais il faut faire attention. Donc il y a trois emplacements possibles dans la mission où vous pouvez avoir des drones qui vont popper. Et lorsque vous aurez donc le buff scanner, vous les verrez en jaune. Donc je vous mets les trois salles où c'est possible. Donc vous avez la première, c'est juste au tout début lorsque vous prenez les ascenseurs. Ensuite la deuxième, c'est au niveau de la petite salle où il y a plein de petites tourelles qui vous shootent lorsque vous montez les étages. Et le troisième emplacement, c'est après l'étape de saut quand vous êtes dans l'espace. Et à la toute fin, vous rentrez dans une grande salle où il y a deux ogres qui vous attendent. Bah c'est là. Alors comment ça va se passer une fois que vous identifiez la zone où il y a les drones qui sont en train de planer? Bah c'est très simple. Vous avez 4 drones à shooter. Donc vous les shootez dans l'ordre. Donc vous shootez ceux qui sont en jaune en premier. Et après, à la toute fin, quand vous aurez tué le quatrième drone, vous aurez un petit message en bas à gauche qui s'affiche, qui va dire porte déverrouillée, machin. Et donc à la fin de la mission, au niveau du coffre final, vous aurez une petite porte qui va s'ouvrir. Et vous aurez donc le coffre bonus. Allez, c'est parti, on va passer au niveau du deuxième coffre. Et bah c'est très très simple, vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est lorsque vous allez récupérer le buff opérateur pour la première fois, bah vous allez avoir une salle où vous allez avoir deux vigies. Donc je vous mets un clip à l'écran. Et tout au fond de la salle, vous avez une porte qui est piégée avec des lasers. Bah vous inquiétez pas, ce que vous faites, c'est que vous prenez une épée. Et lorsque vous êtes devant la porte, vous donnez un petit coup et vous allez passer à travers et vous allez pas mourir. Et bon bah le coffre il se trouve juste à votre droite. Et voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde.